Je crois qu'à la minute où je l'ai vu, je voulais qu'il m'embrasse. Et lorsqu'il l'a fait, j'en voulais davantage. Tu sais bien qu'il n'existe aucun mariage capable de durer toute la vie sans la moindre petite pause. Le plan de Jane était simple. Michael devait aller dîner avec un client dimanche soir. Et tout ce que j'avais à faire était de lui dire que je dînerais avec Jane. Juste un petit mensonge. Tu sais que tu briserais le cœur de tous les hommes de cette ville. Lorsque Victoria Robson céda à la tentation, rien ne lui prédisait que les conséquences pouvaient être fatales. Je n'aurais jamais dû venir ici. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Laisse-moi partir! Il vous a menti à propos de son nom. Menti à propos du studio de photos. Il vous a menti dès que vous l'avez rencontré. Est-ce que vous connaissez votre voisine, Mademoiselle Woodman? Jane Woodman. On vient d'assassiner Mademoiselle Woodman. Comment? Le plus dur à supporter dans notre métier, c'est de savoir dès le départ que personne ne vous dira la vérité. Tu risques de briser mon mariage, je ne vois pas pourquoi je mentirais. Parce que l'adultère n'est pas un crime, Madame Robson, et que l'assassinat en est un. L'arme du crime était couverte de ses empreintes, et cette arme provenait de sa galerie. Madame Robson, vous avez un motif, les moyens, l'opportunité. Quel motif aurais-je pu avoir pour assassiner ma meilleure amie? Une fois que je l'aurai trouvé, ce sera étalé devant tout le monde. Ah oui, je comprends. Tu étais au lit avec cet homme au moment du meurtre. Et il est la preuve de ton innocence! Vous êtes un témoin capital dans une enquête criminelle. Tiens donc. Il est venu pour me tuer. Mais il a tué Jane à ma place par erreur. Verrouille la porte pendant que je descends à la voiture, appelle la police. Et surtout, ne bouge pas. Michael. Ne t'inquiète pas. Holly, c'est vraiment une affaire. Une femme comme ça, c'est vraiment un sacré boulot à satisfaire. Michael. Il est temps de finir ce qu'on a commencé. Suzanne Lucci. Tim Matheson. Michael Dudikoff. Mauvaise rencontre.